Bon, on va avoir dit et... Le message qu'on a envie de passer à Myron Ebel, c'est qu'on ne souhaite pas qu'ils viennent ici vilipender un message climato-sceptique ici en Europe. L'Europe a besoin vraiment d'avancer dans la transition. On a vraiment l'urgence climatique, ce n'est pas demain, c'est dès aujourd'hui. Beaucoup de personnes en paient déjà les conséquences. Et voilà, Myron Ebel est un climato-sceptique de premier choix. C'est quelqu'un qui a travaillé pour l'industrie pétrolière, c'est quelqu'un qui défend l'innocuité du tabagisme, qui s'est opposé à une législation pour la sauvegarde des animaux menacés d'extinction. C'est quelqu'un qui encourage à investir massivement dans les énergies fossiles pour créer de la croissance. Et c'est un discours qui va vraiment à l'encontre des valeurs écologistes et on a tenu à lui faire savoir. Somehow conservatism is for inviting me to participate here today. This Blue Green Summit is very important. An example of how resistant the Brussels establishment as represented by Greenpeace. This was a sort of these ideas that are going to be presented here today are rather alien to, but I particularly don't like to follow Daniel Hannan. You want to start last time then? You're denying basic science, you're funded by the fossil fuel lobby. Climate change is affecting already the lives of millions of people over the world, and you're coming here to tell us it's not happening. You're a shame. You shouldn't be a keynote speaker in the heart of Europe. Thank you.